Eh bien bonjour à tous, c'est Willy Jamad et bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de Willy and Craft où... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. C'est pas un ange lui. Non, 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 il t'a trompé là-haut, c'est pas un ange. Hein. Aïe, fumier. Il était dans le creepy. Fumier. Non, pas trop dans mon jardin. Oh. J'ai dit... Aucun trou dans mon jardin. Voilà. Alors, mes amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser. Hein, on va creuser le. Ah bah non, j'avais dit qu'on allait foutre le plancher. Je suis con. Alors oui, j'ai eu pas mal de réponses. Enfin, j'ai pas mal de réponses. J'en ai eu deux en fait. Il y a une réponse qui me disait du boulot et une autre réponse qui me disait du marbre. Alors le marbre, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça en détail. Hop. Non, le marbre est pas là. Le marbre est là. Voilà. Hop, je prends ça. Ça dégage, ça dégage. Et ça va dans les loot, ok. Il me faut massy. Massy, massy, massy. Bloup. Massy, voilà. Je m'étais fait 5-6 en diamant, je suis un malade. Je suis un grand, grand barge. Ok, donc. Vous voyez que les blocs de marbre, on ne peut pas les couper. Ce qui est un peu con. Je sais pas si en les remettant en normaux, on peut. Mettons comme ça. On va regarder. Mais même là, je suis pas certain. Non. Non. Vous voyez que même là, c'est pas faisable. Et donc, les blocs de marbre, étant donné qu'on ne peut pas les couper, la lumière, donc la lumière que je me suis fait chier à mettre ici, ne passera pas à travers. Ne passera pas à travers comme ça va le faire avec le bois de bouleau. Donc, eh ben, malheureusement, la maison sera en bois de bouleau. C'est malheureux, mais c'est comme ça, parce que sinon la maison ne sera pas éclairée. Je me suis fait chier à faire tout un tas de pierres lumineuses. Faut bien que ça serve à quelque chose quand même. Hop. Ok, par contre, une question fondamentale que je me pose, oui, voilà, j'ai pas de bruit de boulot. Alors celle-là. Celle-là, putain. Monde normal, voilà. Alors, bon, eh ben, il va falloir qu'on aille se chercher du bois de boulot, mes amis. Vous avez choisi, maintenant vous allez subir le fait que je dois aller en chercher. C'est comme ça, c'est la vie. Pouf, 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 pouf. Est-ce que déjà il y en a dans le secteur? Parce que c'est pas dit. Alors, je me dois aussi de vous dire. Il s'avère que Minecraft déconnant un peu depuis quelque temps, surtout à cause de ma connexion, parce qu'avec ma connexion de merde, bien évidemment, je ne peux pas tout le temps lancer Minecraft en français. Là, vous voyez que là, Minecraft est en français, hein. Mais cela dit, ça ne peut pas tout le temps être le cas, ce qui me désole. Pendant un moment, la série Willy and Craft et Willy and... Enfin, les séries Willy and Craft et Willy and Co. Vont s'arrêter. Alors, c'est pas un arrêt définitif, hein, loin de là. C'est un arrêt temporaire, mais rassurez-vous, il va y avoir d'autres vidéos. Une autre petite série que je vais sortir, où je testerai, parce que j'ai reçu un commentaire il y a quelques temps maintenant, qui m'avait dit, ouais, c'est bien beau, mais tu fais tout le temps des vidéos sur les mêmes jeux, tu pourrais pas changer, faire des tests de nouveaux jeux, trucs comme ça. J'avais écarté l'idée d'emblée parce que ça me plaisait pas des masses, mais je me suis dit qu'en fait c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Hein. Donc, du coup, durant quelques temps, donc ce sera pas ultra long, je ne sais pas exactement combien de temps parce que j'ai pas encore de nombre de jeux déterminés, mais durant un certain nombre de semaines, oui, parce que ça se compte en semaines évidemment. Comment dire? Il y aura des vidéos, mais sur d'autres jeux qui sont anciens, qui datent pour la plupart de PlayStation. Il y en a certains qui dateront de la GameCube. Bon, évidemment, il y en aura peut-être qui dateront de la Game Boy Color, et encore ça, c'est même pas dit, parce que si jamais je filme avec Fraps pour retirer ça, je vous dis même pas. Parce que l'écran de la Game Boy Color étant tout petit, si jamais je vous mets ça en 1280 par 720, vos yeux vont souffrir. À mon avis, la taille d'un Pokémon, ça va être aussi gros qu'un de la taille d'un pixel. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Donc, durant quelques temps, il n'y aura plus de Willy Craft, il n'y aura plus de Willy Co. C'est joli ça. Mais cela dit, il va y avoir d'autres vidéos sur des jeux, on va dire anciens.
Alors, qu'est-ce que j'appelle ancien? Des jeux qui datent donc, comme je l'ai dit, de PlayStation, de GameCube, peut-être de PS2, et encore, ça c'est pas dit, parce que je sais pas si avec RomStation je peux avoir les jeux sur PS2. J'ai jamais essayé, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Donc, la Game Boy, je l'ai déjà dit. La Nintendo 64 aussi, j'ai pas mal de jeux aussi, parce que quand j'étais petit, je jouais pas mal à la Nintendo 64. Donc, bon, il y aura certainement quelques jeux là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette initiative, en vrai, hein, parce que c'est la toute première fois que je fais ça sur ma chaîne, j'espère que cette initiative vous plaît. Moi, pour ma part, je suis impatient de commencer, hein, parce que bon, faire du Minecraft tout le temps, c'est bien joli, mais il y a un moment où ça devient un peu lassant. Alors, je préfère passer à autre chose durant une petite période que d'en avoir vraiment marre de ce jeu et au final d'arrêter. Et au final d'arrêter complètement de jouer à Minecraft, ce qui serait un peu débile. Étant donné que vous faites des séries, ce serait un peu idiot. Putain, mais en fait, il n'y a pas de bois de boulot là, c'est la merde. Donc, ma nouvelle série, je pense que ça va s'appeler. Il n'y a aucune raison que ça s'appelle autre chose. Alors, du coup, je vais l'appeler, je pense, Retro Gaming Show. Hein, ce sera une petite série donc qui aura une playlist bien à elle. Et donc en fait voilà comment ça va se passer. Durant une semaine, je testerai un jeu rétro. Alors, est-ce que le jeu rétro, ce sera donc c'est-à-dire 6 épisodes, donc c'est-à-dire un épisode tous les jours, ou est-ce que ce sera entre 3 et 4 épisodes, c'est-à-dire un épisode tous les 2 jours? Ça, j'ai pas encore décidé. Mais enfin, pour ma part, ça va être plutôt fun, hein, parce que si vous voulez, en fait, les jeux rétro, moi j'adore y jouer, hein, ça c'est pas un problème. Je serais gentil, voilà, de régler le bug, merci. Donc moi j'adore y jouer, ça c'est pas le problème, mais il s'avère que moi je vais y jouer avec les touches du clavier. Eh ben oui, parce que j'ai pas de manette sur PC. Donc là, vous allez en avoir du fail. Ah, ça, vous pouvez me croire. Ça, des conneries toujours, à ça vous allez en avoir. Et les jeux, vous vous attendez même pas à ce que je joue à des jeux comme ça. Ah, c'est juste horrible. Il y a certains jeux que je me souviens, mais. Oh, j'avais galéré dessus, bon Dieu! Genre, je peux vous donner un exemple, GoldenEye sur Nintendo 64. Oh putain, celui-ci, j'ai jamais réussi à le finir. J'ai jamais réussi à le finir pour la bonne et simple raison que j'ai galéré comme un porc dessus quand j'étais petit. Alors quand j'étais petit, je parle, voilà, j'avais 11-12 ans hein, quand je jouais à Nintendo 64. Idem pour la PS1, la GameCube, j'étais un peu plus vieux, je devais avoir 13-14 ans, une connerie du genre. Mais enfin, en tout cas, tous ces jeux-là, ça me rappelle d'énormes souvenirs et je pense que vous allez beaucoup, beaucoup rigoler. Donc voilà, je papote, mais il n'y a pas de boîte de boulot, hein. Mais c'est la merde! Qu'est-ce qu'il y a? Le bois de boulot, il a été banni de Minecraft, c'est ça? Le boulot, c'est mauvais? Le boulot, c'est tabou, on reviendra tous à bout, c'est quoi ce délire? Voilà, mange, mange. Ça s'en est, ça. Ah bah oui, voilà. Enfin! Au bout de 25 minutes de pipelettage. Je sais même pas si ça se dit, pipelettage. Ouh, j'ai du boulot, c'est cool. Hop, pouf, 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 ok. Bon, ça c'est cool. J'ai pousse d'arbres colorés en vert. Je vais peut-être m'en servir pour les planter, ça du coup, parce que le boulot, c'est pas ce qui court les rues, c'est putain. Enfin, ici, en IRL, tu me diras, c'est exactement pareil, mais bon. Du bois de cerisier, d'accord. Ça m'a l'air joli, ça. Tester d'en faire des planches, voir quelle couleur ça a. Les planches rouges. Ah, c'est sympa. Ça m'a l'air sympa. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'on m'a demandé du bout de boulot, mais. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air assez chouette. Bon, alors, attends, je pipelette, mais enfin, ça me fait chier parce qu'il n'y a pas de bois de boulot. Je suis tombé sur une plaine de cerisiers, c'est n'importe quoi. Du bois de boulot, du bois de boulot, non, il n'y a pas. Du moins, il n'y a pas. Ça. Non, là, il y a une planche de boulot. Là. Tiens, vas-y, donne-moi ça. Escalier de boulot, limite, je m'en tape, mais. Les planches de boulot, ça m'intéresse. Ouais, non, sans déconner, ce serait cool qu'il y en ait un peu quand même. Non, je sais pas. Oui, peut-être. Non, que dalle. Bon, que dalle.
Alors. Donc voilà, j'espère au moins que cette initiative va vous plaire. Alors, c'est pas souvent que je fais ça sur ma chaîne. Mais bon, il n'y a aucune raison que ça vous plaise pas, normalement. Ah, ah, mon Dieu. Ah non, fumier. Ça, je le savais, ça. Ah. On dégage, on dégage. Chauve-souris! YOLO! Aïe, ça a pris. Ah, les boules boules. Donc, voili, voilou, j'espère que cette initiative va vous plaire. Et si jamais ça ne vous plaît pas, hein, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et auquel cas, bah, je reprendrai les Woolly & Craft et les Woolly & Co. Enfin, il s'avère que, vu ma connexion très très moisie, limite ça m'arrange de faire des jeux là-dessus. Parce que j'ai pas besoin de connexion internet pour les lancer, ces jeux. Tandis que pour Minecraft, en général, il faut une connexion internet, sinon tu l'as dans le cul. Donc, bon, voilà. Moi, personnellement, par souci de connexion, je préfère très nettement faire d'autres vidéos, du moins pour le moment. Alors, rassurez-vous, hein, comme je l'ai dit, Woolly & Co. et Woolly & Craft, ça va pas s'arrêter, hein. Je vais pas arrêter de faire des vidéos dessus. Non, non, ça, pour ça, faut pas vous inquiéter. Mais enfin, je pense que des fois, un peu de changement, ça peut être bénéfique. Je sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si jamais vous trouvez que cette idée est moisie ou pas. Mais enfin, moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, donc normalement, à partir de la semaine prochaine, hein, parce que là aujourd'hui on est samedi, donc à partir de la semaine prochaine, normalement, vous aurez des rétro gaming shows sur. Je pense que le premier jeu que je vais faire, ce sera Crash Bandicoot, le premier du nom. Et ça, c'est une obligation. Parce que ce jeu-là, je l'adore. J'ai joué à quasiment tous les jeux Crash Bandicoot. Bon, sauf si jamais il y en a certains qui sont sortis sur des consoles que je connais pas. Mais sinon, Crash Bandicoot sur GameCube, sur PlayStation, ça, j'y ai tout joué. Enfin, j'y ai joué qu'avec une manette. J'ai encore jamais joué avec le PC. Moi, je peux vous dire que ça va être drôle. Ça va être très, très, très drôle. Donc voilà, ne manquez pas ça. Lundi, normalement, vous aurez une vidéo sur ce jeu. Bon, moi, ça me fait chier parce que je n'arrive pas à trouver de boulot. C'est n'importe quoi, ce. Qu'est-ce que. What? Pourquoi il est mort, lui? Je viens de voir un cheval mourir sous mes yeux, mais je sais pas pourquoi. Ouh. Toi, tu vas arrêter de sauter comme un débile. Non, non, mais c'est saloperie. Oh, c'est joli, ça. Feuilles colorées en blanc. C'est chouette. Bon, 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 bon. Putain, y a pas de boulot. C'est n'importe nawak. Là, il y a un arbre sur une feuille. Pourquoi pas, écoute, allons-y gamin. Ouais, ça, je m'en tape. Ah, non, c'est les champignons, j'ai vu. Serait-ce un biome mushroom? Mais oui, c'est un biome mushroom! Nom de Dieu, les biomes mushroom, ils sont ultra rares, et il faut que j'arrive à en trouver alors que j'ai même pas de safarinette sur moi. Je suis dégoûté. J'aimerais voir si jamais il y a un truc à sorcière dans le secteur. Ça m'arrangerait, parce qu'en général, dans les trucs à sorcière, il y a des safarinettes. Là, vous voyez, par exemple, là, droit devant, il y en a un. Il y en a un, donc on va y aller. On va y aller, hop. Et donc, on va revenir après, si jamais il y a une safarinette, comme ça, je capturerai une meumeu. Voilà. Une meumeu champignon hein, qui peut nous donner de la bouffe, clairement, à l'infini. Ce qui m'intéresse grandement. Oui. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement, doucement. Salut toi. Eh merde. Ah! Saloperie! Fuck! Ah! Ah! Au secours! Ah. Oh, je suis sorti. Ok, bon. Alors, je peux pas mourir avec le poison. Ne vous inquiétez pas, je le sais. Je lui ai dit, ça va me baiser toute ma vie. Ça m'a baisé quasiment toute ma vie, ce qui est un peu con, faut avouer. Il n'y a pas de bois de boulot aux alentours. Apparemment, il n'y a que dalle. Il veut du boulot? Va te faire enculer pour ton boulot! C'est ça, en fait. Hein, c'est n'importe quoi. Salut les filles. Salut Enderman. Non, il n'y a pas de taf. Il n'y a pas de taf.
Désolé. Il n'y a pas de boulot, hein. C'est terrible. Il n'y a aucun boulot de quoi que ce soit. C'est la grosse merde. J'aimerais pouvoir y aller sans me faire tuer, ce serait faisable. Là, il n'y en a qu'une, deux. Oh oui, ça fait rien. Loupé. Salope. Alors, une meule. C'est pas grave. Je suis empoisonné, je m'en tape, j'aurai une meule. Oui, bon, ça va, t'as peut-être fini là, il reste encore combien de temps, bordel? 15 secondes. Putain, foutage de gueule. Parrain, je peux pas mourir, va te faire schtroumpfer, saloperie. Hop, et on va prendre celle avec le chapeau. Parce qu'il y a un respect. Voilà. Nickel! J'ai une champime! J'étais pas venu pour ça au départ, mais c'est pas grave. J'ai une champime! Ok, donc ça c'est cool. Je me demande si les champimeux et les vaches normales, elles peuvent se reproduire. C'est intéressant de savoir ça. Bon, par contre, il n'y a vraiment pas de poids de boulot. Putain, c'est... Ah, c'est impressionnant, Il n'y a que dalle. Assez fort quand même. Ah, j'aurais jamais cru que ça aurait été que ça serait aussi compliqué d'en trouver, bon Dieu. Il y a une maison ici. Maison surélevée, bah, bien sûr, pourquoi pas. Et c'est l'Enderman. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tiens, il y a une pomme. Attends, la pomme. Ouais. Oh putain, mais il y a des pommes aussi. Il fallait le dire tout de suite. Y aurait-il un pommier par hasard? Parce que les pommiers, ça, c'est génial. Pas de pommiers? Des pommiers. Pommiers, you. Des pommiers. Les pommiers, ça, c'est génial. Ça donne énormément de pommes. Mais visiblement, là, il n'y en a pas. Et ça, c'est quoi? De la mousse. D'accord. Rolling Stone. Admettons. Mais moi, ce que je voudrais, c'est du boulot, non? Tu pourrais pas m'en donner un peu? Ah bah ça y est, on arrive dans un biome où il n'y a pas d'arbre du tout. Ah bah ça va être nettement plus compliqué pour en trouver du boulot. Hein. J'arrive dans une jungle. Pour trouver du boulot dans une jungle, tu peux y aller. C'est quoi ça? Ah, c'est la roche, ok. Y a que dalle, quoi. C'est assez impressionnant, quand même. J'ai rarement été surpris comme ça. J'ai l'air d'avoir rien du tout. Tu veux du boulot, tu peux aller te faire enculer, quoi. C'est. Ah, donne-moi la bonne noix de coco. Je kiffe la noix de coco, j'adore la noix de coco. Ouais, non, voilà, bon. Il y a quoi le temps? On a du pain. Le pain, ça risque d'être bien parce que je commence à être un peu en manque de bouffe là, c'est la merde. Ouais, mais non, que dalle. Faut avouer que c'est tout de même impressionnant. Ah, bah en voilà du boulot. Enfin, j'espère. Est-ce du boulot? Oui, c'est du boulot. Ah non, c'est du bois de sapin. Oh merde! Oh merde, je suis dégoûté, je croyais que c'était du boulot. Putain! Du coup, j'ai pas dû m'en foutre en espèce humaine, tiens. Hop, alors, toi tu dégages, toi tu dégages, toi tu dégages, toi tu dégages. Non, toi tu restes, toi tu restes. Toi tu dégages, toi tu restes, toi tu dégages. Non, 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 toi, 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 toi. J'ai failli faire une grosse connerie. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. La pousse d'arbre coloré ancien, elle, je la garde. Ça, c'est une obligation. La pousse d'arbre coloré en vert, je vais la garder. Ça dégage, ça, je peux en avoir partout. Ça dégage, ça dégage. Bah voilà. Et voilà, un inventaire bien rangé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? De la pierre de Krag? Alors ça, je connais pas. Ça a une utilité, cette saloperie? Ah bah, d'accord. Et ça, quelle utilité, ça? Ça n'en a visiblement aucune, donc... aucune raison de garder ça dans mon inventaire, c'est de la merde, dégage. Par contre, il va y avoir une espèce de caverne, je vois, non, c'est pas une caverne, n'importe quoi. Ok, bon. Boulot! Pété, pété, pété! Fumier, où es-tu? Il n'y a pas de boulot, c'est assez impressionnant quand même, je vous avoue. Boulot, boulot! 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 Oh, la vache. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de boulot sur une aussi grande distance? C'est impressionnant quand même, faut bien avouer. Alors vous entendez les travaux derrière, hein, je suis navré, c'est pas moi qui fais les travaux. Je leur demanderais bien de fermer la grande gueule, mais bon. En même temps, c'est des outils qui font ça. Oh, un biome Deadland. Ça ne m'apporte absolument rien d'avoir un biome Deadland, mais bon. Oh, oh, c'est joli ça. D'accord, ici il y a un grand trou. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je doute même que ça serve à quelque chose. On va ramasser le fer, tu vois. Pour la peine. Étant donné que je me fais chier à chercher du boulot alors qu'il n'y en a pas, tu sais quoi. On se met à ramasser du fer. Ça, il y en a un peu plus déjà. Pef, 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 pef. Bon, je peux tout ramasser non plus, mais... Je dois avouer que c'est tout de même impressionnant que j'arrive pas à trouver de boulot. Ça, c'est... C'est très très impressionnant le copper que tu dégages. Ça c'est de la cendre. Qu'est-ce que... What? Ah oui d'accord. Ok. Bon. Bon, 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 bon. Ok. Je lagouille par contre. Je suis jamais venu dans cette partie. C'est pour ça que je lag un peu. Je suis navré. Feuilles d'acajou. Pourquoi il y a des feuilles d'acajou différentes? Feuilles d'acajou de Minecraft. Feuilles d'acajou de Minecraft, ok, bon. Serait-ce. Ah merde, c'est quoi? De l'amarante? De l'amarance? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que je te connais? Tu peux faire quoi avec ça? Mais non, mais dégage, toi. Heurte au foudre. Donc le cœur du bois, d'accord. Faire des amarantes planques, d'accord. Pas des pop builders, oui bon, ça c'est le tinker control, quand je m'en tape. Ah, tu peux faire des... Ah d'accord, ah tiens, je savais pas ça. Ah, c'est intéressant. Des oak barricades, d'accord. Tu peux faire des renforcés d'iron chest, ok, c'est cool. Ouais. D'accord. Bon. Bon, 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 bon. La marrante, je ne sais pas trop ce que ça c'est. En tout cas, ça fait du bois violet, ça me perturbe. Ça me perturbe, ça dégage. Bon, c'est bon, t'as fini de l'agouiller, toi? Y a que dalle, quoi. Un épisode de Parlotte pur et simple. C'est impressionnant, mais sans déconner, il n'y a pas de boulot que je voulais que je fasse. Je ne vais pas rester muet comme une carpe pendant une demi-heure. Ça fait aucun sens. Joie. Joie, 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 il y a du boulot. Pouf, y'a là, toi. Parfait! J'ai du boulot! Hurrah! Ah non, ça c'est des feuilles de chêne, ça.
Oui, d'accord. En fait, les deux, c'est des feuilles de chêne. Pour chercher, il faut. Ok, donc ça, c'est cool. Je me balade un peu, hein, tant qu'à faire. J'ai déjà passé par là? Visiblement, non, les vides sont en tête. Ah, des pommes. Je kiffe les pommes. Tu veux me parler, toi? Tueur, je sais pas ce qu'il est dans cet art, salope. Oh. Tu veux bien monter là? Non mais oh. Ok, bon. Alors ouais, c'est bien cool, mais... Du coup, mon plancher, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire, moi. C'est une putain de blague. Il n'y a pas de boulot. C'est quoi cette vanne, sans déconner? Bon bah ah si, là il y en a. Ah, j'ai trouvé du boulot. J'ai trouvé du boulot. Enfin! Enfin j'ai trouvé un arbre à boulot digne de ce nom. Oh! Oh joie. Vas-y, donne-moi des pousses. Voilà, j'ai une pousse de boulot. Enfin! Je vais pouvoir en faire pousser chez moi. Bordel! Il était temps, au bout d'une demi-heure. Ah, c'est n'importe quoi ça. Vas-y, donne-moi toujours plus de boulot. Je kiffe le boulot. Vas-y, donne-moi des boulots. Des boulots! Ouais, d'accord. Sans plus le boulot quand même, ok, je vais juste couper ça, voir si je peux avoir du boulot avec les feuilles là. Voilà, ouais, là il y a du boulot. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Du coup, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Le riz, ça dégage aussi. J'ai 4 bois de bouleau. En une demi-heure, j'ai réussi à récolter 59 bois de bouleau. Faut tout de même avouer que c'est impressionnant. Ça dégage, ça dégage. Bon, bah écoutez, mes amis, voilà. C'est sur ces belles images que cet épisode va s'achever. Moi, je vais retourner chez moi. Ah, bah attendez, il y en a encore là du boulot. Oh. Cet épisode ne va pas s'achever tout de suite. Je vais d'abord récolter le boulot. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Hop. Du boulot descendu par là. Yolo! Que lol, que penses-tu? Du boulot, du boulot, du boulot. Du boulot, du boulot, du boulot. Du boulot, du boulot, du boulot. Qu'est-ce que c'est que ça? Orange Cosmos. Ça sert à quoi ça? À quoi sert cette espèce de saloperie? Ah! Faire de la teinture orange, ça m'intéresse ça. Je récolte un peu. Ça m'intéresse grandement. C'est quoi ce couvert que je me tape? Et bien voilà, c'est sur ces belles images de moi, bah, qui du coup retourne chez moi, hein, j'ai pas trop le choix, que cet épisode va s'achever. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, pas de Willy Craft pendant quelques semaines. Pas de Willy Co pendant quelques semaines non plus. Cela dit, vous aurez d'autres vidéos sur des jeux, disons, assez anciens. Assez anciens, mais qui malgré tout n'ont rien perdu de leur charme. Hein. Faut bien avouer que les jeux d'antan, ils étaient quand même bien meilleurs que certains jeux de maintenant. Je dis bien certains, parce que pas tous, évidemment, mais... Enfin, il y en a certains quand même. Oh, des diamants. Oh, hey, oh. Hey, il fait jour, qu'est-ce que tu branles là, toi? Salope! Putain, sans déconner. Donc, bah, mes amis, je vous dis bah, du coup dans un peu longtemps quand même pour un nouvel épisode de Willy Craft. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine. Bon, c'est bon, t'as fini d'être empoisonné, toi? Fumé. Oh! Avant quand même, j'ai juré d'exterminer tous les creepers. Et toi, tu feras pas exception à la règle. Voilà. Voilà, mes amis, je vous dis donc à très vite!